On est vraiment désolé. Connard ! On est vraiment désolé. Connard ! Alors, espèce de connard, faut faire attention, non ? Mais où tu te crois, connard ? Je sais conduire ou quoi ? Pauvre con ! Pardon, monsieur, je suis désolé. Connard ! J'étais en train de discuter. Mais tu te crois où, pauvre con ? J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur. Connard ! Je crois que là, ça va. Il a rien, le rétroviseur. Tu sais conduire ou quoi, pauvre con ? Vraiment, je vous demande pardon. Je vous prie de m'excuser. Connard ! C'est terrible ce qui vous est arrivé ! De quoi ? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé ! De connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a ceux qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur. Mais monsieur, calmez-vous, monsieur. Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres? Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à te cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la cocufies. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme? Il y a tes enfants avec leur belle peau toute lisse. T'as remercié quelqu'un une fois dans ta vie pour la peau lisse de tes enfants? Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches? Mais vous êtes fou, monsieur. Mais elle est belle, ta vie, Mouraud. Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde-la, Mouraud. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, Mouraud. C'est terrible! C'est terrible! Les Français ne veulent pas faire d'efforts. Bonjour, mesdames, bonjour. Je m'excuse d'avoir l'obligation de vous déranger, mais je vous remercie du fond du cœur d'avance de votre générosité. C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir me donner une petite pièce ou peut-être un ticket restaurant pour ceux qui l'en ont. Car en effet, ce petit geste m'aidera peut-être à rester propre et avec une brosse à dents de me laver un minimum de dignité. Et je peux vous dire... Ma mère, elle a été interdite bancaire pendant 5 ans pour un chèque sans provision de 300 balles rayon bouffe à Monoprix. Mais le mec qui a coulé le Crédit Lyonnais, il court toujours, lui. Et vous, messieurs, dames, vous allez les payer 3 fois, les dettes du Crédit Lyonnais. Une fois avec vos économies qu'il a dépensées pour lui et ses copains. Une autre fois quand ils vont privatiser et que vous allez racheter votre propre argent. Et une troisième fois parce que avant de privatiser, ils iront piocher votre argent dans les caisses des impôts pour lui racheter une santé au Crédit Lyonnais. Alors moi, je dis, il y en a marre que c'est toujours les mêmes qui payent. Parce que c'est pas la charité qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille tous leur casser la gueule aux voleurs qui sont là-haut. Moi, je dis, tous à l'Elysée, à la Chambre des députés, on refait la prise de la Bastille. Il n'y a plus d'autre solution, parce que là-haut, c'est un pour tous, tous pour lui. Du calme, là, s'il vous plaît, du calme. Bonjour, la police. Ça va, la vie dans la police? Du calme. Vous êtes la jeunesse de la France, vous. Qu'est-ce que vous foutez ici dans les trains? C'est pas nous qu'il faut mettre en tôle, c'est les voleurs qu'il faut mettre en tôle. Les voleurs, ils roulent dans les voitures officielles, les voleurs. Bon, maintenant, vous vous calmez, parce que sinon... Oh, zut, je déjante. Tu te sens pas bien, là? Si, si, ça va. C'est ta mère que t'es là à faire chier les gens dans les trains? C'est ça qu'elle a voulu pour toi, ta maman? Ben non, justement, ma mère, elle voulait que je sois cantonnier, travailler dehors. Ah, viens. On se barre tous les deux. Ah oui? On va bien trouver un petit potager quelque part là où il y a du bon air. J'ai ma tante qui est dans l'Est, qui a un bout de terrain. Bah, tu vois? Viens, on prend les grandes lignes. Pour les graines, on se démerdera. Ah oui, va lui. Fou. On pourra faire des glaïeuls. Faut commencer par la patate parce que la patate, ça nettoie la terre.